Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Dans la série La chaîne guitare fait parler les abonnés, j'ai un très beau spécimen à côté de moi qui est non seulement musicien professionnel, je vais arriver à le dire, mais aussi abonné à la chaîne guitare. Je suis avec Théo Cormier. Théo Cormier, comment est-ce que ça va déjà? Ça va super, merci toi. Ça, bah, écoute, moi ça va très bien. On est à quelques minutes de commencer un live, voilà, donc ça va être très bien. Je voudrais que tu nous dises, parce que donc c'est ça, Théo, non seulement c'est un pro, mais en plus il est abonné à la chaîne guitare. Pourquoi tu t'es abonné à la chaîne guitare à l'origine? Au tout début, bah, c'était parce que, en fait, c'était surtout pour faire partie un peu de ce réseau de musiciens. Je me souviens qu'on avait discuté au salon du Beffroi. Ouais, c'était au Beffroi il y a quelques années quand c'était rencontré. Et puis, j'avais regardé un peu sur internet le contenu et tout, et je me disais, ce serait bien que je m'y mette. D'accord. Et puis, en fait, j'ai discuté avec, je crois que c'est Sophie qui tient les sangles de guitare. Oui, qui était abonnée à l'époque, ouais, effectivement, ouais. Les shops de Sophie. Je me souviens qu'on a discuté pendant au moins 45 minutes, une heure, d'accord, sur la chaîne guitare. C'est elle qui t'a vendu la chaîne guitare, ouais, en fait, d'accord. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des contenus que tu regardes plus particulièrement, ou c'est plus la discussion sur la communauté, ou les deux, c'est quoi? C'est surtout la discussion sur Facebook, en fait. Ouais. Ouais. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, ouais, je me mets à regarder des vidéos, des petites interviews. D'accord. Là, par exemple, c'est quoi les meilleurs souvenirs ou les trucs, les interviews qui t'ont marqué? Tu dis, ah tiens, là c'était bien. Là, avant, c'était bien, mais là, c'était bien. récemment, c'est pas un truc très guitaristique, mais j'ai vu une interview du directeur du Salon du Beffroi, justement. Ouais, Jean-Michel Proust, qui était ici il y a 2-3 jours. Ouais. 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 Et en fait, j'ai hâte d'y retourner. Quoi, j'ai vu que, de toute façon, le salon marche super bien. Absolument, et ils annoncent une centaine d'exposants, ça va être une belle édition encore. Qu'est-ce que je voulais te demander par rapport... Donc, tu conseilles de s'abonner à cette guitare ou pas? Ouais, je sais pas. Ouais. Hein. Tout dépend si tu veux faire le live ce soir ou pas. si, non, mais c'est vraiment top. Ouais, content de l'expérience. Ouais, carrément. Ouais. Bon. Super. Bon, allez, maintenant, c'est bien parce que les abonnés, non seulement ils payent leur abonnement, mais en plus ils viennent ici travailler pour moi. Je suis vraiment un enfoiré d'esclavagiste, en fait, quoi. Voilà. Mais ils le font avec le sourire, donc c'est ça qui compte. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.